jumuku chambilu mbasha la pinje bingi la pinje u jibwela ja ngina banzayo ngoro tangela nyanda diko se jansambu Rose Mutombo Bobet wakeba ajukuvisha betu bonso bibiga bonvu mwakulu walingala nyanda kai ichincha kutakana mwabeo anyi kwa jukuba kosela kajosh tosa kidila punsi wetu bande ko balandi mbote bi pa biso bozwa mi po ya kolanda masolo ma bakemi be ko ekolo ya biso kuto salle de congrès ya palais du peuple RTNC pour na ko sapele la mino mai maso mazali ko salima habongo awa bwelobi prince mopoyi to tozwami awa pona masolo mamosala ya ba kemide ko bokambe mibwa onorable mokonji Christophe Mboso ko jampwanga ye oyo elongo na bilo ya ye ba uti bongo kokota awokati ya ndako ya masolo mabango pona ko banda mai mabongsa mi pona lelo pona yango ayebisite lelo bakulobela makambo mabale matiami omesa ya masolo mabango bakondima peve mibale ya bokutani bwa masolo maleki pe lisusu bakoyeba bongo koyekola mwango mobeko motali kobakisa mikolo na etat de siège ezali kokoba kosala mosala bwa yango kuna na monyelemo ya ekolo mingi mpenza na Ituri pe na Nord Kivu kasi yambo mpenza masolo makoka kobanda to bakota obozindo bwa soma bango honorable mokonzi Christophe Mboso ko jampwanga apesi nzela na ba protocole pote bako kabongo kokotisa okati ya ndako ya masolo maman ministre d'état pe ministre moyangi mambi mabosembo Rose Mutombo pote bomu mesano lolenge bo sibo mesani kolanda wileko iso ba bakisaka mikolo na etat de siège ezala kabongo na maman ministre Mwengi limambi mabose mbotope moko kati ya baimbula matari ya Jean-Michel Samalukonde azomaka awa pona kulimbula na bayi Assemblée Nationale tina nini ba sengeli bongo kubakisa mikolo na misala nimezali kusalima na etuka mibale wapipa etat de siège ezali kusala mosala mwayango talaka tina eye bayi masolo biso banso tuzali kuzela obe bokoti bwa mama ministre d'état pe ministre Rose Mutombo pote ye moto akoyeba kosenga po ekoyebisa tina kani basengeli lisusu kondima mwango mobeko motali kobakisa mikolo na etat de siège omonelemo ekolo ya biso kasi na kokundwa na bino moke mambi ma etat de siège pamba te masolo maleki au masomo maliki ba bayi Assemblée Nationale ba kotaki au masomo mankuku elongo na boko ministre ya mbula matari ya biso pona koyeba bongo koyekola na bozindo mbuma nini ezali kobotama to pe si ebotami na onzela ya misalami ya etat de siège oituka mibale eyeta mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki nzela po te bakoka bongo kobanda misalami ya etat de siège na bituka biye bibale talaka lelo ekomi mbala ya motoba ya komona ete baimbula matari to pe mama ministre moyangeli mambi mabosembo azwama lisusu awa mpona kosenga bakoka kobakisa mikolo na etat de siège oituka ya Nord Kivu pe na etuka ya Ituri bo sengeli koyeba te kaka mpona maye matali misala ya etat de siège mpona maye matali misala ya etat de siège ya mokolo mwa iyinga moleki tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki masolo makafu kafu elongo na limpinga linene ya banganga mayele ya mampinga bautaki na ekolo Amerika bango bazomaki awa okati ya ekolo ya biso bango ne bakoyeba kokabwana basusu bakokende na etuka Nord Kivu basusu bakokende na etuka ya Ituri mpona nini bango bayaki koswanta mokonzi wa ekolo pote bakoka kotalisa na ye
Musala moye ba ye kusala kati ekolo ya biso Congo mingi penza omonyele mo yango ezali mingi penza musala ya kupesa maboko na mampinga ma ekolo ba FARDC o musala moye bazali kusala ya kubengana ba dongolo miso ba ye bazali tango iso kozangisa kimia wetuka ya Nord Kivu pe na Ituri pe lisusu ba kokoba musala mwa bango kino na bobateli park ya Virunga pe ya Garamba wapie pai makambo mas nungu banite mazali pe lokola kosali makuni okati ya park ibale talakatina ya masolo manene mayeta mokonzi wa ekolo asalaki elongo na mampinga ya banganga mayele ya mampinga bautaki na ekolo bya Amerika bayaki bongo mpona kupesa maboko na musala ya état de siège tamokonzi wa ekolo apesaka nzela ekoka koba na musala uto sanza ya mitano ya mobomo ye tozali na yango yango mpenza etalisi solo te ya solo boyokani bozali kokoba kati ya bikolo bibale ekolo ya biso Congo démocratique pe ekolo États-Unis ya Amerika bango bandimi solo kotambola elongo na makanisa tamokonzi wa ekolo na maematali kimia Bokengi, Pebo Bateli, Zinga Zinga, na ekolo Congo démocratique, mingi penza monye moyango, kuna na bituka bibale, bipai wapi, kime a solo solo ezalite, pambate ba dongolo miso bazali kokoba, kino lelo, ozangisa kimia, omambi maiki. Talaka, tata mokonzi wa ekolo, alapaki seleka ete, akofanda kimia, soko mokete, soki kimia, ezon kuna, na bituka biye bibalete mingi penza na monyele mwaiko bandeko balandi na kokundula na baye ba uti kozwa biso sika na nzela tozwami awa na salle de congrès ya Palais du Peuple pona masolo ya bakelimi beko pona mukomo lelo masoma bango lelo omesa ya masolo boye lobaki mokambi ya Assemblée nationale honorable mokonzi Christophe Mboso Kodia Mpwanga ba ko ndima PVN. Honorable député, chers collègues, en attendant l'entrée de membres du gouvernement, nous passons à un autre point. Examen et adoption du procès verbal numéro 91-AN-SO-MRS-2020 de notre séance de vendredi 16 juillet 2021. D'habitude, nous avons d'habitude toujours selon nos dix coutumes, nous l'adoptons tel que sous réserve, les cas échéants, des amendements à formuler par écrit contre sa rédaction. Est-ce que nous pouvons adopter ce procès verbal in globo? Comme ça, nous gagnons du temps en attendant l'entrée des membres du gouvernement. Alors, qui sont pour l'adoption moyennant amendement in globo de ce procès verbal? Qui sont pour? Votez, collègues. Votez, Muninga Ndeko.
Votez. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat, le procès verbal est adopté in globo. Moyennant amendement. Chers collègues, c'est une reprise, on n'a pas besoin du quorum. C'est une reprise. J'ai dit la séance est reprise. Elle était suspendue la fois passée et maintenant c'est une reprise. Quand nous allons voter, je vous donnerai le quorum. Madame la ministre d'État, Madame la ministre chargée des relations avec le Parlement, Monsieur le vice-ministre, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de votre disponibilité. Honorables députés, chers collègues, nous allons réaménager une fois de plus notre ordre du jour en vue de l'ajout de deux nouveaux points à l'ordre du jour de la présente séance. Il s'agit de l'examen de l'adoption du procès verbal qui a déjà été adopté. Le deuxième point, examen et vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ce dernier point constitue une nouvelle matière à inscrire préalablement à notre calendrier de travaux. Encore une fois, nous sommes tenus de déroger aux dispositions de l'article 146, alinéa premier de notre règlement intérieur. En procédant à son inscription
à notre agenda de travaux avant son ajout à l'ordre du jour. Ainsi compris, l'Assemblée plénière peut se prononcer à ce sujet. Qui sont pour l'inscription de ce projet de loi à notre calendrier de travaux et à l'ajout à ces deux points à l'ordre du jour, dont un a été déjà adopté. Qui sont pour? Merci, chers collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve l'inscription à son calendrier des travaux du projet de loi sous-mentionné et adopte l'ordre du jour tel que complété. Chers collègues, avant d'entamer nos travaux, votre bureau tient à vous informer que compte tenu d'un certain nombre de paramètres, notre calendrier initial sur le processus de désignation et de l'entérinement des membres de la CENI va connaître un réajustement. Comme vous le savez, au départ, après sa constitution, la commission paritaire devait déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale le samedi 14 août 2021. Soucieux de trouver un compromis sur la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses, un délai supplémentaire de 72 heures leur avait été accordé à cette fin. Délai qui expirait ce mardi 17 août 2021. Tenant compte de certaines contraintes exprimées par le président de la plateforme de confession religieuse, par sa correspondance du 16 août 2021, votre bureau a accédé à sa demande en accordant un nouveau délai. Ce délai court de mardi 17 au jeudi 19 août. En revanche, à l'issue des concertations avec les confessions religieuses, un délai de 48 heures leur avait été accordé. En conséquence, la commission paritaire doit également bénéficier d'un délai supplémentaire, de sorte que quand les confessions religieuses vont déposer les conclusions de leur délibération, que ces rapports soient transmis à votre commission et que la commission aura à l'examiner dans ces conditions, je demande à la plénière d'accorder ce délai supplémentaire à la commission afin que les rapports nous soient déposés le lundi.
collègues, à la fin, nous procédons. Après, collègues, asseyez-vous. Asseyez-vous. Après l'adoption de notre procès verbal, nous en arrivons à l'examen du projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique, une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Avant d'engager le débat général, je vous rappelle qu'après la mini-évaluation effectuée lors de la présente prorogation, l'Assemblée nationale avait adopté la motion préconisant de mettre fin au débat et, comme convenu, d'attendre que cette évaluation soit approfondie par notre commission défense et sécurité. Jusqu'à présent, cette commission poursuit les auditions de membres du gouvernement ainsi que des responsables des services de l'État concernés par cette question. Nous attendons donc le dépôt de son rapport au bureau de l'Assemblée nationale pour procéder à l'évaluation proprement dite en plénière. Ceci dit, pour plus de précisions, je crois, comme la commission et en pleine séance, il ne nous sera pas possible aujourd'hui que le président nous fasse un petit rapport synthèse. S'il est là dans la salle, il peut le faire. S'il n'est pas là, nous attendrons le jour J. Est-ce qu'il est là? Le président est là? Le président de la commission, il est là? Brièvement, président. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et distingués collègues. Au cours de sa séance du lundi 2 août 2021, l'auguste plénière avait décidé d'envoyer l'audition de 3 membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne sur le thème ayant trait à l'évaluation proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, telle que prorogée à ce jour et ses mesures d'accompagnement. Il s'agit des membres ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Ces auditions ont été rendues possibles par la lettre référencée numéro 012/RDC/AN/CP/MNPC/CM/NGB/03/2021 du 3 août 2021 du président de l'Assemblée nationale, par laquelle il a invité les gestionnaires des secteurs concernés à se présenter devant la commission pour leur audition. Déférant à la décision de l'auguste plénière, votre commission a reçu tour à tour, les jeudis 5 août 2021, M. Gilbert Kabanda Rukemba, ministre de la Défense et Sécurité. Nous précisons que ce dernier était accompagné
du chef d'état-major général et le deuxième jour de deux gouverneurs militaires, celui de l'Ituri et celui du Nord Kivu. Le lundi 9 août 2021, Madame Mutombo Kiese Rose, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ministre d'État, excusez. Le mardi 10 août 2021, Monsieur Molipe Mandongo Jean-Claude, vice-ministre de l'Intérieur. Au terme de cet exercice, la Commission a constitué trois sous-commissions ad hoc afin de relever les forces, les faiblesses, les enjeux et opportunités de l'état de siège par rapport aux exposés de chaque membre du gouvernement. Il s'agit de la sous-commission intérieur et renseignement, la sous-commission défense et sécurité et la sous-commission justice et droits humains. Lors de ces auditions, votre commission ayant constaté l'absence d'un montage financier et d'un chronogramme au préalable, a jugé utile de les entendre. Il s'agit du ministre d'État, ministre du Budget et celui des Finances, afin de l'édifier sur la traçabilité de fonds alloués à l'état de siège dans les deux provinces concernées. À ce jour, elle reste dans l'attente de la lettre d'invitation de ces deux membres du gouvernement pour cette semaine. Dans l'entretemps, les sous-commissions ad hoc travaillent d'arrache-pied dans l'analyse de l'information en leur possession, en manière à donner les avis et considérations, préparer les recommandations et les résolutions à la grande commission. Dans le temps qui va suivre, nous allons devoir nous prononcer sur la prorogation de l'état de siège. Et je tiens particulièrement à vous dire que la population des deux provinces concernées, lassée par différentes incursions barbares et incendiaires cycliques d'une part, et de l'autre par les extorsions, les viols, les pillages et kidnappings, jamais perpétrés nulle part ailleurs, ne nous demandent qu'une seule chose. Mais alors une seule, la paix et le rétablissement d'un état de droit dans cette partie du pays. Pour en arriver là, l'état de siège en est une nécessité. Le point fort, il y en a eu certes, mais tout comme de points faibles. L'homme n'étant pas parfait, il est nécessaire, sinon absolument indispensable, de certifier et de rectifier les tirs pour une issue heureuse des atrocités maintes fois décriées. Il n'est pas facile, en 2 mois et demi, de procéder déjà à une évaluation, même à mi-parcours de l'état de siège. Certains préalables méritent une attention particulière, notamment la stratégie des opérations militaires dans les zones à problème, les moyens disponibles pour la célérité des opérations et l'acquisition d'un matériel sophistiqué adapté aux opérations sur terrain. Incessamment, la Commission Défense et Sécurité viendra devant vous avec des mesures drastiques qui, je l'espère, ne vont plus cette fois-ci s'émousser dans les annales parlementaires, à l'instar de la résolution créant la mission d'enquête à l'est du pays, notamment au Nord Kivu et en Ituri. Nous n'avons pas encore totalement tiré les enseignements du terrorisme nous infligé. Cependant, lorsque nous arriverons à débusquer les bases mésologiques et socio-environnementales de nos assaillants, l'intangibilité de nos frontières restera un leitmotiv. C'est pourquoi, honorables députés et chers collègues, je vous prie instamment de bien vouloir procéder à la prorogation de l'état de siège dans l'intérêt supérieur de la nation, moyennant amendement bien évidemment de quelques points que nous avions relevés dans le projet de loi qui nous a été déposé. Et je vous rassure, vous ferez œuvre utile. Je vous remercie. Merci, honorable président de la Commission Défense et Sécurité. Honorable député, chers collègues, vous venez de suivre le résumé du travail confié à notre commission. Votre bureau estime que
nous pouvons nous passer cette fois-ci du débat général sur ces projets de loi et attendre les conclusions de notre commission pour une bonne évaluation de l'état de siège. Qui sont d'accord? Qui sont pour? Merci, chers collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve la proposition du bureau. Nous passons sans plus tarder à l'examen du projet de loi. Pour ce faire, je passe la parole à Madame la ministre de Justice, la ministre d'État à la Justice, pour nous donner l'économie de ces projets de loi. Madame, s'il vous plaît, chers collègues, je crois que vous avez accordé une dérogation, non? Madame n'a pas besoin de nous faire l'économie. Du projet de loi, on passe directement article par article. Vous êtes d'accord? Madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord, Madame, asseyez-vous. Honorable dame, je donne la parole à l'honorable rapporteur pour nous donner lecture de l'article premier. Oui, honorable. Honorable Kinda, oui. Honorable Katsongo. Liquin, pardon. Monsieur, à la fin. Vous pensez à Atika Luba. C'est le président de la commission, vice-président de la commission paritaire. Yagolo. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable Président, nous risquons de créer un précédent fâcheux. C'est une loi que nous allons adopter. On peut ne pas faire un débat, mais l'économie générale, c'est une obligation. Je ne sais pas comprendre comment nous pouvons procéder à l'examen de la loi article par article, honorable Président, sans l'économie générale. Même si nous sommes pressés, honorable président, on risque de vous induire en erreur et ça va nous rattraper un jour. Nulle part où on peut passer outre l'économie générale, directement on commence à adopter article par article. Le débat général que nous devrions faire, c'est notre président de la commission mixte qui est chargé d'entendre le membre du gouvernement sur l'évaluation qui a fait ce débat-là, mais la ministre ne doit pas être exemptée à ce stade de débat, honorable président, de nous présenter l'économie générale.
sauf si nous voulons créer quelque chose qui n'a jamais existé. Voilà pourquoi je vous conseillerais, honorable président, nous en tant que techniciens, le membre de la commission PAJ sont les conseillers juridiques de votre plénière. Nous vous conseillons, honorable, d'accorder la parole à madame la ministre d'État. Après son intervention, nous pouvons maintenant passer article par article parce que le débat ne doit pas avoir lieu. Voilà ce que je voulais vous proposer comme procédure. Merci. Honorable Kerlikin, le président de la commission défense et sécurité, il nous a présenté l'état des lieux, les choses telles que ça se passe à la commission. Et nous avons voté, j'ai posé la question, nous avons voté. Vous voulez mettre en cause le vote de la plénière? Non. Non. Nous passons article par article. L'article. On a déjà voté. Vous avez déjà voté. Allez-y. Rapporteur, article premier. Je vous remercie pour la parole, honorable président. Article premier est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours prenant cours le 19 août 2021, dans les provinces de l'Ituri et de Nord-Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021. Y a-t-il des amendements? Y a-t-il des amendements à cet article? Il n'y en a pas? Y a-t-il des amendements à l'article premier? Il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas. Président, on peut procéder à l'article de l'article D. Qui adopte l'article premier? Qui adopte l'article premier? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, l'article premier est adopté. Merci. Article 2. Article D. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Y a-t-il d'amendements? Y a-t-il d'amendements? Il n'y en a pas. Qui sont pour l'adoption de l'article 2? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Y a-t-il des amendements? Qui sont pour l'adoption de l'article 3? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstient? L'article 3 est adopté. Nous passons à l'exposé des motifs. Adieu.
Exposé des motifs. Exposé des motifs. Pour répondre à l'impératif de la paix et de la sécurité longtemps recherché dans la partie est de notre pays, en proie à des violences innombrables depuis plus de deux décennies, particulièrement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, le président de la République a par l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège sur cette partie du territoire national. Cet état de siège est entré en vigueur le 6 mai 2021, initialement pour 30 jours, puis prorogé jusqu'à ces jours. Depuis la dernière prorogation, l'état de siège est entré dans une autre dimension opérationnelle avec un déploiement accentué des troupes régulières dans les zones concernées. Consciente des nombreux défis et à relever et soucieuse d'apporter sa contribution à la réussite de l'état de siège, l'Assemblée nationale a initié à travers sa commission défense et sécurité une évaluation à mi-parcours de celui-ci. Cette évaluation a permis à la représentation nationale d'obtenir du gouvernement avec détail les informations relatives aux avancées enregistrées sur le terrain opérationnel par les forces armées de la République démocratique du Congo et de prendre la mesure des contraintes ainsi que de l'immensité des tâches restant à accomplir pour parvenir à l'éradication totale des forces ennemies. Ainsi, en vue de permettre à nos forces de poursuivre les actions de rétablissement de la paix et de sécurité dans les provinces concernées, le gouvernement de la République a-t-il sollicité une nouvelle prorogation? Conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, telle est l'économie de la présente loi. Je vous remercie. Honorable député, chers collègues, nous mettons un comité en place, un comité de rédaction. Les membres du bureau de la PAJ qui sont présents dans la salle. Le rapporteur est là. Les premiers ou deuxième vice-présidents, ils sont là. Rapporteur à rapporteur adjoint. Prenez note des amendements. Le deuxième vice-président est là aussi. Prenez note d'amendements. Vous avez un amendement? Y a-t-il des amendements à l'exposition? Vous êtes membre du comité de rédaction en même temps. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Vous avez une harmonie comme gentil, hein? Honorable Président de l'Assemblée nationale, ben, comme vous l'aurez constaté que ce texte est limpide. Ce texte n'est pas sujet, à mon avis, d'amendement. Et tout à l'heure, avec intelligence et sagesse, le Président de l'Assemblée nationale a proposé la constitution d'une commission ad hoc accompagnée et dirigé par les membres du bureau de la commission PAJ. Je voudrais proposer à l'auguste plénière, si elle ne trouve d'inconvénient, pour que nous allions plus vite avec l'examen de ces textes, que si les observations sont là, elles peuvent être utilement transmises à votre commission PAJ tout de suite, par écrit, et la commission PAJ en tiendra compte, et entre-temps, nous donnons au bureau la possibilité de faire voter ces textes globalement. Voici ma proposition. On gagnera en temps et en performance. Je vous remercie. Merci, chers collègues.
Le collègue a fait une proposition. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Qui sont pour? Merci, collègue. Qui sont contre? Qui s'abstient? Ok, la proposition du collègue est adoptée par la plénière. Vos amendements, déposez-les auprès du comité ad hoc. Alors, cela étant, qui sont pour l'adoption de l'exposé des motifs? Qui adopte l'exposé des motifs? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstient? L'exposé des motifs est adopté. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'adopter tous les trois articles que contient le projet de loi, y compris l'exposé des motifs. Cela étant, en attendant le vote, nous voulons remercier Madame la ministre d'État, Madame la ministre chargée des relations avec le Parlement, Monsieur le vice-ministre, de votre disponibilité et nous vous demandons de prendre congé de nous. Merci et à la prochaine. Honorables députés, chers collègues, à 15h40, le quorum est de 335 députés. Ce sont les signatures sur la liste, hein? C'est le quorum qui vient de signer sur la liste. Ceux qui ont signé les listes. Les signatures sur la liste, chers collègues. Donc 335 collègues ont signé les listes. Donc c'est celui-là, le quorum. C'est l'article 65 de notre règlement intérieur. 69, pardon. Le dernier alinéa qui dit, qui stipule ce qui suit. La présence des députés est constatée par la signature apposée par chacun au regard de son nom sur les listes y afférentes au début de la séance. Voilà, c'est celle-là la vérité. 335 ont apposé leur signature. À présent, je soumets l'ensemble du texte au vote des honorables députés.
Donc nous avons les quorums requis pour le vote. Je donne la parole à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour procéder à l'appel nominal, à l'appel du nom de chaque député. Celui-ci répondra à haute voix par oui, non ou abstention, selon qu'il est pour, contre ou abstention. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Je vous remercie pour la parole, honorable président. Abotome Roger. Adirodo Wilson. Adubango Emmanuel. Afote Anatole. Agiba Mami. Agoyo Eugénie. Aono Papi. Agé Agé. Alphani Marie-Claire. Alipanza Joseph. Ambato Béami. Amissi Patrick. Anokonzi Jean-Pierre. Anolito Serge. Hassani Alu. Assina Rifine. Atama Crispin. Atuyakila Emmanuel. Aousse Jackson. Aochai Patrice. Ayubangira Jean-Pierre. Babanga Anissé. Babangu Paul. Bahati Héritier. Bautira Shadrach. Bakongo Willy. Balamage Boniface. Balekelaï Donatien. Balenga Paul. Baliesima Albert. Bandenoga Fabrice. Bagno Daniel. Banuessize Vital. Banza John. Banza Marmon. Barale Ngawe Gilles. Bemba Caroline. Benza Alphonse. Berochane Nono. Bialosuka Jonathan. Bijap Etienne. Biseko Edi. Bitijula Martin. Bobé Jean-Pierre. Bofaya Sébastien. Boïka Faustin. Bokele Innocent. Boko Fabien. Bokolombe Sam. Bolengetenge Diedoné. Boliki Abraham. Bolila Devo. Bolio Willy. Banoko Gabriel. Bombelo Sanda Patrick. Bompande Freddy. Bompini Michel. Bonne année Xavier. Bonga Guillaume. Bossisse René. Boukassa Prosper. Boulambo Jean-Marie.
Boulé Mohamed, Boupila John, Boussa Gaël, Biayuma Adolphine, Kamunani Deka, Chiriluire Basengezi, Coco la Prince, Dédé Justin, Delma Sylvain, Deda François, Dikapa Diédonné, Bimbu Diane, Ditu Blaise, Johnny Jacques, Dona Mathieu, Draza Claude, Droti Baudouin, Egwake Omer, Eolo Norbert, Endundu Serge, Enerunga Anselme, Engbanda José, Engelemba Célestin, Etina Lucien, Eyumu Célestin, Ezadri Norbert, Feza Christine, Foumani Rombo, Foura Daniel, Furuguta Hibert, Fouani César, Kachuruzi Boniface, Gamote Valentine, Badi Jean, Gunda Antoine, Hakiziwira Tite, Iboula Gilles César, Ihemba Isabelle, Ikenge Laurent, Ikukt Martin, Ilanga Bienvenue, Ilongo Jean, Ilunga Paul, Inagos Geneviève, Ingele Jean-Marie, Ipakala André, Irachana Saint-Nicolas, Itale Charles, Iwolo Désiré, Yamanyo Simon-Pierre, Kabampele Divalier, Kabange Félix, Kabangu Bruno, Kabasele Alidor, Kabea Olivier, Kabea Anaclé, Kabila Jeannette Désiré, Kaboun Jean-Marc, Kabwe Papi Séoul, Kabwe Loulou Martin, Kabouika Prosper, Kafou Frédéric, Kaena Joseph, Kamisendou Jean, Kamoun Didier, Kamunga André, Kanef Jean-Pierre, Kangoudia Pierre, Kaniki Robert, Kano Jean, Kapama Jacques, Kapena Smith, Kapika Joseph,
Kapinga Nadine, Kapongo Donatien, Kapufi Viviane, Kapuku Florent, Kassanda Serkas, Kassenga Sabin, Kassereka Sylvain, Kassereka Jadot, Kassereka Kizerbo, Kachoba Denis, Kassongo Justin, Kassongo Liquin, Kansuka Mathieu, Kassusa Hilaire, Katembo Tade, Katembo Yetam. Katembo Désiré, Kachongo Paulin, Kavira Janine, Kavira Jeannette, Kaembe Jean-Pierre, Kayumba Bernard, Kazadi Georges, Kazadi Théodore, Kazembe Innocent, Kazumba William, Kazoazoa Modeste, Kézamoudrou Jean-Pierre, Kiala Magui, Kibala Jean-Claude, Kibuka Raphaël, Kikoka Gaetoni, Kilouba Justin, Kimbunda Jean, Kimbuta Eric, Kiyove Edouard, Kipuluka Caroline, Kiro Grégoire, Kitambala Christophe, Kitenge Victor, Kitenge Gaston, Kichali Jean-Hélène, Kitoa Ida, Kitoa Freddy, Kiwila Charles, Kekonyangi Joseph, Koloba Robert, Compagnie Pauline, Konzi Fofo, Kotongo Jean Bosco, Kuetela Kuetelela Lissi, Kulungu Doug, Kutonda Paola, Kutekala Albert, Lebe Florent, Lekou Emmanuel, Lembi Joseph, oui, Lenga Alexis, Likinda Fidel, Lingo Ibrahim, Lisongo Jean-Marie, Lieta Bienvenue, Lokona Fidel, Lokoka François, Lomasa Franck, Lombaku Jean-Marc, Lola Floribert, Lotana Albert, Lotape Nelson, Lubaya André, Luaka Thomas, Lukiana Marie-Ange, Lukono Dominique, Lukula Sijamarie, Lukasa Willy, Lumanu Véronique, Lumanu Adolphe,
Lumbu René, Lumbu Yannick, Lumea Léonard, Lumwana Jacques, Lusenge Jérôme, Lutel Oscar, Lutundula Didier, Loué pour Justin, Louundi Alexis, Mabiela Patrick, Mabunda Janine, Madimba Daniel, Maembo Polin, Mafefe Aimé, Mafuta Guy, Mabengu Dismas, Mouindo Scolastique, Maïcha Alfred, Makengo Hubert, Makengo Charles, Makiashi Willy, Malanji Patient, Manuku Claude, Mamba Jean-Jacques, Mambembe Florent, Mambidi Jean-Marc, Mambo Jean-Bosco, Mampa Billy, Manara Didi, Manda Jean, Manjuanjua Jeunesse, Mangabu Nadine, Mangai Pascal, Mangai Patrick, Mani Charles, Mantezono Papi, Mandila Christelle, Maombi Sosten, Massamba Rémi, Massamba Jean Didier, Massanga Étienne, Massangu Mireille, Massela Zuri, Massikini Lili, Massiela Charlotte, Mastaki Justin, Matadi Gamanda, Matadi Wamba Tarsis, Matondo Roger, Matuku Lambert, Matumona Alain, Matutala Makengo, Mavoudila Romain, Mavungu Joachim, Mayo Baudouin, Mayuma Louise, Mbakata Freddy, Mbaki Bernard, Mbambi Adrien, Mbanga Manzimi, Mbata André, Mbachi Floribert, Mbachi Floribert, Mbau Daniel, Mbaya Jean, Mbayo Benoît, Mbemba Janine, Mbemba Jeanne, Mbengele Constantin, Mikaï Steve, Mbilambangu Anne-Marie, Mbindoule Crispin, Mboma Dupont,
Mbombo Isabelle. Mbombo Christophe. Mboyo Jean-Marie. Mboukou Pépé. Mboukou Boris. Mbumba Petronil. Mbouyou Célestin. Mbouyou Jean. Mbemba Nanou. Mende Lambert. Midi Ambroise. Mikoulou Guy. Milolo Zobel. Minakou Aubin. Miroho Prosper. Misaret Claude. Mokolo Tiana. Tania. Mombouza Annie. Mondolé Léon. Mondialidor. Mopondi John. Motalena. Moussa Zakou. Mova Henri. Mpanga Jean-Jacques. Mpembe Joly. Mpongo Jean-Claude. Mpochi Diedonné. Mpungu Charles Guillaume. Mputu Kipler. Msafiri Benezette. Mwabilu Winnie. Mwakasa Evariste. Mwanza Bon Soleil. Mouba Damas. Moubambe Kiler. Moubert Serge. Moubikaï Léon. Moubonzi Bertin. Moudekereza Olive. Moufalme Socorro. Moufoula Josué. Mugiraneza Gilles. Mouindo Jean-Baptiste. Mouindo Paul. Mouhia Gracia. Mouinga Nelly. Moukassa Calixit. Moukeba Albert David. Moukena Patient. Moukendi Serge. Moukundi Emmanuel. Moulamba Simon. Moulimbalimba Luc. Moulongo Coco Jacques. Moulamba Augustin. Moumbere Rémixon. Mundia Pétillon. Mounembo Élysée. Munga Louise. Munganga Cléophas. Mouke Didier. Mounongo Dominique. Mounoubo Juvenal. Mounyomo Patrick. Moupassa Dédé. Moupeka Jocelyne. Moussambia Freddy. Moussaou Célestin. Moussemena Gaston. Moussengi Cathy. Mouchebepoa Marie-Ange.
Moussomogui, Moussoukoulou Emmanuel, Moutaoule Moutaoule, Moutiri Elvis, Moutokambali Jalik, Moutombo Germain, Moutokole Gaspard, Mouzaza Thierry, Mouzito Adolphe, Mouadi Olga, Mouamba Odette, Mouamba Roger, Mouamba Émile, Mwanga Chuchu Edouard, Mwangal Flori, Mwangu Makeur, Mwanja Singoma, Mwende Rosen, Mwepu Yvonne, Mwilanya Nemi, Nawej Charles, Ndambire Steve, Ndambu Richard, Ndaïsimie Justin, Ndengo Ernest, Djoloko Bat, Ndambasiado, Nema Grasse, Nembalemba Léon, Ngalula Eric, Ngandu Alphonse, Ngandu Valentin, Mbagno José, Ngindu Espérant, Ngobe Hardy, Ngoi Liliane, Ngoi Natacha, Ngobe Charles, Ngombe Charles, Ngoi Richard, Ngoi Alphonse, Ngoisi Diedoné, Nyangu Papi, Nkusu Deogracia, Nsafu Daniel, Nsafe Diedoné, Seya Patricia, Singi Pichu, Sumbu Pierre, Tambo Eliezer, Ntidi Noël, Tumba Bintu, Tumba John, Nyamugabu Claude, Nyarugabu Moïse, Nzangi Antoine, Zekouye François, Odiane Paulin, Okfungu Justin, Okoto Jean-Charles, Okoyo Vincent, Okundi Emery, Oleko Stanislas, Ompeta Emmanuel, Ousmaka Augustin, Ochudi René, Faipo Wivin, Fuluku Eric, Fassi Jean-Pierre, Tembamoto Mathieu, Pembe Bokiaga, Pembe Tatiana, Rachidi Ribin,
Rakabuba Magi, Safari Kwisa, Safari Jacques, Sakata Gari, Sebu Jangwe Bertin, Sedia Arthur, Segbewi Jacques, Segiobe Jean-Paul, ce que ça a donné, c'est Némona Paul, c'est le Fouli Eugène, c'est Sanga Deli, Chisso Yanset, Sido Roger, Sikou Gérard, Simene Samuel, Somana Justin, Soriano Abraham, Swedi Richard, Tabou Angel, Takumunde Rigobert, Tamboué André, Tamboué Maurice, Chedia Raymond, Tepague Floribert, Tizile Gédéon, Twengao Faustin, Chibang Denis, Chibang Georges, Chibang Freddy, Chela Eugénie, Chikuma Eric, Chilemb Albert, Chilumb Paul, Chimanga Jean-Pierre, Chimpama Martin, Chisupa Placide, Chomba Colette, Chongolo Janvier, Mtundu Jonas, Tumba André Léon, Tunda Prosper, Tutu Gilbert, Toana Évariste, Union Innocent, Ouvoya Jean Faustin, Ouyewa Daniel, Wanga Christelle, Wamu Henriette, Wasso Irène, Wijilo Martin, Wute Eugène, Yama Jolie, Yamba Gracia. Je vous remercie, honorable président. Merci, honorable. Moi, j'ai voté aussi, hein. Merci, honorable rapporteur.
Balonji ba chisanji cha jitunga RTNC tuji tuibatangi landa mundambu kundekeji kwa muyuki uji mikalo wenjibwa muzubu wa chimwendo wa Bukalenga kubulombo jibwa Christophe Mboso kodi apwanga bivubu wa jakaja dia mukenju uji mikalo tarajivujishe dia matuku kujiba kwa chiba mujimu anyiba nguven babiji bajibikala basunga. Honorable député, chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 335 députés qui ont pris part au vote, 334 ont voté oui. Aucun n'a voté non. Un député s'est abstenu. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Honorables députés, chers collègues, deux collègues ont demandé à prendre la parole par motion. Le collègue Bande Nonga. Collègue Bande Nonga, résumé alors. Venez. Résumé. Il sera suivi du collègue Kambale, Shangila. Il faut résumer. Merci pour la parole, honorable président. Honorable président de l'Assemblée nationale. Honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale. Honorables députés, chers collègues, je tiens à informer la représentation nationale qu'en ce jour qui constitue la sixième fois de la prorogation de l'état de siège, que vers 4h du matin, les éléments du groupe Codeco ont attaqué le village Itendei, groupement Itendei, secteur de Banyalkilo, territoire de Djougou, province de l'Ituri, détruisant, pillant et incendiant des maisons. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont même détruit l'hôpital général d'Itendei, entretenu par des missionnaires hollandais et américains. La population est donc livrée à son propre sort et éparpillée dans la brousse en direction de la commune rurale et minière de Mungwalu. Cette incursion fait suite à celle du 14 août 2021, où le même groupe avait pillé les villages Licei, Amema, Liberia, Bunjengele, qu'ils occupent tranquillement jusqu'à ce jour. Nous alertons donc du danger qui guette désormais le territoire d'Enjougou, en particulier, et la province de l'Ituri en général, car ces éléments des groupes armés non maîtrisés vont bientôt se rendre maîtres des régions minières et s'en tirer des convoitises des prédateurs de mauvais goût qui les soutiendront en échange de l'or. Je demande donc à notre bureau de l'Assemblée nationale de faire des recommandations concrètes au gouvernement pour sécuriser particulièrement la zone minière contenue en grande partie dans les secteurs de Banyalikilo et de bien vouloir venir en urgence au secours de ces déplaçants de Kilo Mungwalu et environ. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Le bureau prend bonne note. Nous allons saisir le gouvernement le plus tôt possible. Les collègues Kambale, Sangira. Merci pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau,
honorables députés et chers collègues, je prends la parole par mention de formation pour mettre à la représentation nationale le mettre au courant de la situation sécuritaire qui prévaut en territoire de Rutshuru et particulièrement en chefferie de Bouito. Dans la nuit du 14 au 15 août 2021, il y a eu incursion d'hommes illégalement armés dans la localité de Mutanda, où il y a eu incendie de plus de 25 maisons et des biens de valeur emportés par ces assaillants. Cela s'est produit après kidnapping d'un habitat par les rebelles Nyatura, conduits par un certain Bigabo, qui sème la terreur dans ce coin de la République et qui se livre avec ses hommes à la tracasserie des agriculteurs dans leurs champs. Suite à cette destruction des habitations, les citoyens n'ont plus où s'abriter contre les intempéries. Pour cela, nous demandons une intervention du bureau de l'Assemblée nationale pour faire un appel ou un rappel au ministre sectoriel afin de rétablir la sécurité dans ces coins de notre pays et solliciter un accompagnement pour la reconstruction des maisons. Honorable Président, si vous procédez de cette manière, vous aurez fait œuvre utile en faveur de la population en détresse. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Votre bureau va saisir le gouvernement le plus vite possible. Oui, collègue. Merci, honorable président, de la parole m'accorder. Honorable député, chers collègues, vous allez m'excuser, je devrais prendre la parole au moment où le président donnait quelques informations concernant les dossiers de la CENI. Malheureusement, vous m'aviez renvoyé vers la fin et merci, président, de m'avoir accordé la parole. Honorable président, d'abord, je vous félicite de la façon dont vous êtes entré d'arbitrer la situation entre la plateforme Confession Lévisée. Là, je dois être honnête, par deux fois, vous êtes entré de chercher des voies de sortie. Là, je vous félicite. Honorable président, parce que vous avez fait allusion à une commission parlementaire, entre guillemets, j'ai avec moi la résolution, projet de résolution de votre commission, de notre commission paritaire. Je tiens à informer aux estimés collègues que jusqu'au moment où nous parlons, il n'existe pas une commission paritaire. Pourquoi? Parce que dans cette commission paritaire, dans le projet de décision, de résolution, vous voulez dire que vous détenez, est composé de 20 députés. Majorité, opposition, majorité, opposition et 10 experts. Même pour la prise de parole simple ici, le bureau s'est toujours référé au groupe parlementaire. Le bureau a toujours demandé au président du groupe d'envoyer les noms. Je vous informe qu'au moment où nous parlons, l'opposition et la branche FCC n'a pas envoyé, jusqu'à preuve du contraire, aucun membre dans cette commission paritaire. Et nous attendons, honorable président, le moment venu, nous allons envoyer nos membres. Ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est une réunion
entre une seule composante qui s'appelle la majorité. Et là, nous, on se réfère à la disposition de la loi qui parle que la commission paritaire doit être composée de l'opposition et de la majorité parlementaire. Ce n'est pas l'opposition qui est dehors, ce n'est pas la majorité qui est dehors. Et ici, il est connu que l'opposition ici, c'est l'FCC et la MUCA. Tout membre et la liste de députés de l'opposition sont connus, la liste des députés de la majorité sont connus, tout débauchage, parce que nous avons des preuves. On n'acceptera pas, et honorable président, nous vous prions de composer formellement la commission paritaire. Ou alors, parce que nous voulons la transparence, communiquer les noms des ceux qui siègent dans cette commission paritaire, jeudi et je vous remercie. Honorable, prochainement, quand vous parlerez comme ça ici, je vous couperai la parole. Honorable, j'ai été informé par l'honorable Manara qui m'a emmené le message du bureau politique du FCC. Je suis transparent. Je resterai transparent. Pas comme vous l'avez été ici. Non, j'étais avec vous, oui. J'étais avec vous, mais je suis resté transparent. Alors, chers collègues, voici la vérité. Voici la vérité. Le bureau politique du FCC m'a envoyé un message pour me dire que le FCC ne déposait pas ce dossier à ce stade. Les deux, le FCC ne participe pas à la commission paritaire. J'ai dit à l'honorable Manara, je prends bonne note. Mais, allez dire à votre bureau politique que nous avons construit avec vous, FCC, opposition, un consensus. L'acte existe. Le document a été lu en plénière ici, ce qui nous a conduit à faire voter la loi et à la faire promulguer. Nous avons réparti les compétences au sein de la commission avec vous. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas disposé à participer à la commission paritaire, c'est votre droit. Mais le jour que vous accepterez de participer au processus, vous aurez votre commission et il n'y aura personne de l'Union sacrée à cette commission. Vous avez entendu ? Voilà. Alors, il n'y a pas de débauchage. Il n'y en aura pas. Vous avez adopté la stratégie de pourrissement et de blocage. Nous, on ne vous suit pas. Nous, on ne vous suit pas. Nous poursuivons. La commission va travailler. Nous ferons rapport à la plénière. Les jours que vous viendrez, vous allez siéger seul entre FCC. C'est clair. Honorable député, chers collègues, nous voici arrivés au terme de nos travaux. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation active. La séance est suspendue.